Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouvel épisode des aventures de Eden Roca Exploration. On est tombé sur une maison qui est abandonnée, je pense, depuis au moins 20 ans, puisque on a aperçu déjà un calendrier qui date de 2002. J'ai l'impression que depuis tout ce temps-là, la maison n'a pas bougé. On peut voir quand même au rez-de-chaussée que malheureusement, il y a des gens qui sont venus et qui ont fouillé. Les amis, c'est parti, on va tout de suite aller explorer cette demeure qui, je pense, devrait vraiment vous plaire. Allez, let's go. Voilà, on se retrouve dans la pièce à vivre. Et comme vous le constatez, hein, c'est complètement plongé dans une autre époque. On a accédé par ici, mais on a fermé la porte-fenêtre derrière nous. Il y a une ouverture au niveau du volet qui a été faite. Et de toute façon, on le voit bien qu'on n'est pas les premiers à visiter ce lieu. Il y a plein de choses, en tout cas. On voit ça, c'est des lunettes d'enfant. Hop là. Ça fait vraiment de la... Vous voyez, de la toute petite lunette. Ah, j'ai un courrier avec un nom que bien évidemment je vais flouter à la caméra. Ici on a une Bible. Et alors là, ça c'était vraiment une tendance à l'époque pour les personnes les plus anciennes, hein, qui regardent cette vidéo. C'était le vaisselier avec les assiettes en décoration. Parfois même des assiettes Quimper. Voilà, des assiettes bretonnes. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Voilà. Ça fait plaisir, on a une comptoise qui est pleine. Avec une localisation, c'est souvent le cas sur celles qui sont fabriquées localement par des spécialistes en menuiserie. Ébénisterie, hein, c'est en règle générale, je pense, c'est ceux qui conçoivent ce type de comptoise. Elle est totalement... Elle est pleine. Hein. Par contre, tu vois, c'est quelque chose de religieux. Parce que tu vois, tu as une croix et un cœur. Les amis, hein, je ne sais absolument pas ce que ça signifie, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ah ouais, c'est plein. On a toute la vaisselle. Il a mangé le meuble. Alors, que s'est-il produit dans ces lieux, ou par la suite, hein, pour que cette maison soit plongée dans l'obscurité, dans l'indifférence la plus totale? Un décès, c'est sûr. Un décès, oui, c'est évident. Ou quelqu'un qui a tout quitté du jour au lendemain, je sais pas, mais... T'as encore les chaussures au pied du canapé, les amis. Je sais pas, pour le salon, on est sur une époque des années 60, 70, je pense. Et alors, là, on a carrément une couchette, un lit dans le salon. Ouais, t'es sur les années 60, 70. Hein. Alors là, moi, tu vois, bon, de toute façon, c'est la théorie la plus cohérente, c'est qu'en fait, il y a une personne qui dormait ici. Parce qu'elle ne pouvait certainement plus monter les escaliers, ouais, avec la vieillesse, malheureusement. On a par contre... ça allait tranquillement sur le Ricard. Hein. Ouais, on a un pot là, peut-être le pot de chambre ou le pot pour vomir quand on a bu trop de Ricard. Ouais. Ah ouais, ok. Toute la vaisselle, quoi. Ouais, toute la vaisselle est présente. Les sous-pieds. Encore du Ricard là-bas. Oh, il y a plein de bouteilles de Ricard derrière là-bas. Ah ouais. Ouais. Pastis, Ricard. Il y a 4 bouteilles. Ouais, il tourne au Ricard. C'est ce que j'allais dire. Au moins, tu savais, t'avais pas besoin de lui demander on boit quoi. Hein. Par contre, on est quand même dans une demeure d'un certain standing pour l'époque. C'est une tapisserie. Ouais, c'est une tapisserie. Voilà, avec les rideaux qui étaient accrochés là, les tentures. Là, j'ai un document qui date du 13 juillet 1943.
bail ferme pour 9 ans du 29 septembre 1943 par madame veuve le machin et monsieur etc. monsieur madame etc. d'une métairie moyennant fourniture et charges évaluées à 7500 francs par an en fait à l'étude de monsieur François blablabla bla bla. On va pas donner bien sûr toutes les infos mais c'est quelle année tu dis 40... 43 c'est un truc de fou. De la seconde guerre mondiale. Regarde les documents. Ouais. Waouh, l'écriture là faut la déchiffrer hein. Par contre ouais t'as là on a vraiment en fait le document officiel hein, République française etc. Waouh. Tu vois une pièce au rez-de-chaussée grenier de la maison d'habitation, une pièce dans l'écurie aux chevaux. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais on voit en tout cas que c'était une belle réception avec un lustre. C'était dans un château, hein, c'est sûr et certain. Nous démarrons tout juste notre exploration, et malgré l'abandon manifeste de cet endroit, nous constatons que de nombreux documents anciens sont encore présents entre ces murs. Tout comme les meubles, la décoration et les objets personnels de ces anciens résidents. Comme si cette famille s'était subitement volatilisée. Encore un lieu oublié où tout est resté sur place. En tout cas, une chose est certaine, ça fait un bon paquet d'années que cette demeure est abandonnée. La suite de l'exploration va nous donner une date bien précise sur l'année de son abandon. Au fur et à mesure que nous avancerons à la découverte des différentes pièces de cette maison, nous en apprendrons davantage sur le passé de cette famille. Découvrirons-nous la raison pour laquelle ce lieu reste livré à lui-même ? Pour le savoir, nous vous invitons à rester avec nous afin de percer ensemble tous les mystères qui entourent cette demeure. Voyez ce petit hall d'entrée avec le damier noir et blanc. Ah, le petit coin téléphone. Elle n'a pas été ouverte depuis un bail, la porte là. Ouais, les amis, regardez la porte. L'étoile d'araignée. Ouais, il y a une étoile d'araignée de partout. Et puis, alors, le compteur, hein, on n'en parle même pas. Ça, j'adorais ces téléphones-là. Écoutez les amis. Ça rappelle des petits souvenirs. Hein. Maintenant, on n'a plus qu'à aller dans le répertoire, même pas, on le fait en vocal, appeler un tel et puis. On a connu cela. Ouais, mais ouais, mais on était mômes. Et après, c'était les mêmes et c'était des boutons à la place. Ouais, mais on était mômes. Hein. On était vraiment bébés, quoi. Une petite fille toute mignonne. Ouais, petite puce, là, voilà. J'aime pas voir les photos d'enfants. Là, on a... c'est quoi? C'est une lettre. On va pas s'attarder là-dessus, les amis. On va consulter ça hors caméra. Ah ouais, vraiment, les gens sont partis en laissant tout. Les placards sont remplis. Bon, là, on va flouter parce que là, il y a carrément la localisation dessus. C'est un truc religieux. Ouais, à la paroisse de... Voilà, on donnera pas le nom. Et en tout cas, 1997, les amis. La vie est une chance, saisis-la. La vie est une beauté, admire-la. La vie est une béatitude, savoure-la. Etc, etc. Vous avez reconnu ces quelques mots de Mère Teresa, une grande dame aussi. Alors là, c'est que des toilettes. Mais j'aime beaucoup les lieux... abîmé comme ça, on voit vraiment que, eh bien que le temps a fait son œuvre. D'ailleurs, c'est ouvert au niveau de la salle de bain. Voilà, les carreaux sont cassés. Vous devez entendre le vent. Et là, on a tout. Ouais, beaucoup de choses. Ouais, mais beaucoup de chaussons en fait. Et nous voilà dans la cuisine hein, qui est totalement restée dans son jus. Ah, tu vois, ça a été cassé, ça a été fracturé là-bas aussi. Les amis. Tu vois, on n'a même pas eu le temps de faire le tour, mais là, on voit que... C'est ouvert là aussi. Ouais, ah, ok. Ben là, tu vois, la fenêtre, elle est complètement,
complètement explosé, quoi. C'est vraiment malheureux. Et en même temps, non, parce que si c'était pas ouvert, on ne pourrait pas rentrer. On ne pourrait pas faire de vidéo dans ces lieux figés. Vous voulez aussi, vous voulez... Tu veux... Ah ouais, ok. En façade. Là, déjà, tu vois tout l'électroménager. On voit... C'est d'un autre temps. Ouais, là, oui. C'est quoi, les années 70, ça? C'est hyper vieux, quoi. Ouais. C'est quoi, ça, une machine à laver, non? Si, c'est une machine à laver. Elle n'est pas toute jeune. Ah non, c'est un truc à gaz. Ah, c'est pour le gaz, ok. Ouais. D'accord. Ouais, je trouve bizarre, tu vois. Ouais. Pourquoi c'est un truc à gaz? Tu vois, regarde. J'adore, moi, quand c'est... quand t'as de la décrépitude comme ça. Peinture au plomb, ça. Ouais, c'est de la merde. Ça donne un cachet, je trouve, tout de suite à l'ambiance du lieu. On avait encore... on n'a pas vu de télé au rez-de-chaussée. Là, le poste... Ah oui, j'avais fait un essai, là, il y avait eu un coup de blanc dessus. Ah ouais. Mais là, tu vois, le petit poste bien old school, ouais. bien rétro. Bon, le frigo, il n'y a plus rien dedans, à part une danette là-bas, mais je vais pas aller regarder. Hein. 2000 ans. Bon, là, les amis, on est toujours dans le hall d'entrée avec le frangin. Et là, matez-moi un petit peu cette jarre. C'est une jarre, je crois, que ça s'appelle. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a un document dessus, je sais pas ce que c'est. Alors, je soulève. Hein. Waouh, putain, on a du punch pour ce soir. Bien évidemment, c'est vide. Mais... Bah là, je sais pas c'est une combien de litres, mais t'en mets un paquet. Mais avec ça, là, mais mon gars, là, tu fais boire tout un régiment. Hein. Tu fais une fête phénoménale. C'est quoi ce document, là? Waouh! Mort pour la patrie. 1914-1919. On va pas donner le nom, hein. Monsieur machin, etc. Son prénom était Jean. Il s'appelait Jean, capitaine adjudant major chevalier de la Légion d'honneur. Qui n'écoute pas nos morts n'est pas digne de vivre. La mort éclaire la vie. Gloire à cet héroïque soldat, la reconnaissance d'un peuple. Plus encore, celle du monde lui est à jamais acquise. Waouh, c'est dingue, hein. Mort pour la patrie, donc ce monsieur, hein, Jean, de son prénom, 1914-1919, c'est incroyablement une relique. C'est génial. Tu vois, elle était posée là, comme bah ça. C'est fin de guerre. Ben ouais, 14-18, ça a été remis à la fin de la première grande guerre. Tu vois, il y a encore tous les manteaux. Là, il y a des placards, là, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a plein de portefeuilles, de documents. C'est blindé de lettres, en fait. Blindé de lettres. Si tu vois, c'est ça de... Je le dis tout le temps, mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser tout ça. Toute une vie dans l'oubli. Bon, allez, les amis, on va tout de suite aller faire un tour au premier étage. On a encore un manteau là d'accrocher juste en bas de l'escalier. Bon bah c'est parti, on y va. Ouais. Allez, suivez le guide, les amis. C'est Will, mon frérot, qui le meneur. Voilà, qui va aller découvrir ce que cache ce premier étage. Déjà la tapisserie pique les yeux. Ouais. Il y a pas mal de bêtes par contre, d'insectes et tout. Ouais, c'est bien. Ah ouais, ok les amis, là on arrive dans une petite chambre. Une chambre de dame. Qui est particulièrement propre et rangée. Ouais. Je pense qu'il y a eu de la mise en scène de la part de photographes. Ouais, à mon avis, on n'est pas les premiers à passer ici. Parce que la table... avec les photos. Après, hein, tu sais, peut-être que quand la personne est décédée, elle est partie en laissant la chambre
dans le même état, en fait. Hein. Ah ouais, le petit, petit tableau. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on a des choses de dessinées dessus à la craie. On a des formes, on a un triangle là, rectangle, carré, voilà. Même les placards sont remplis de vêtements. On voit qu'il y a des vestes, il y a des robes, des jupes. Là, clairement, c'est le placard, on va pas dire le dressing, ça se disait pas à l'époque. Le côté, voilà, le côté femme, oh, les volets sont totalement rouillés avec plein de toiles d'araignée, même la végétation qui a poussé carrément. Voilà, pour ceux qui aiment, c'est de la jupe. Ah ouais, c'est de la jupe, de la robe, regardez. Écossaise. Ça fait écolière, tu sais, des années 60, 70, à la mode Sheila, quoi. Voilà, que des clichés noirs et blancs. Des mariés. Voilà, là, un gamin qui est à sa communion. On voit qu'il a une Bible et un chapelet dans la main. C'est le même lit avec la dame, un bébé et un enfant, et un crucifix, mais qui n'est plus présent. Par contre, tu vois, ils avaient changé le papier peint, mais clairement, on a l'impression que c'est le même lit. C'est une vie, une vie qui s'en va. Voilà, une vie qui défile. Ah, c'est des photos de bébés, quoi, d'enfants. Bon, allez, là, je suis le frérot. Ah, t'as même pas regardé, il y a une chambre à gauche. Si, j'ai vu, mais elle est en bordel. Ok. J'irai peut-être voir après. Et là... Ah ouais, c'est sympa, hein. Ouais. Il y a un peu de bordel, c'est dommage. On fait attention avec l'éclairage, parce qu'il y a quand même du vis-à-vis. Oh, le portrait! Elle a un truc derrière la tête, tu vois. Je sais pas, la tenue correspond à quoi. C'est pas une religieuse, en tout cas, je pense pas. Peut-être une tenue locale. Et là, j'ai le catéchisme du diocèse. Je reste loin parce qu'il y a la localisation, la région qui est inscrite dessus. Ça me fait penser un peu à un truc de style breton. Même si on est en Normandie, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est breton. Là, c'est pareil, tout ce que j'aime, vous savez, le lit avec, on va dire, le plafond qui commence à s'étaler dessus et toute la tapisserie qui tombe au fur et à mesure des années qui passent et bien sûr, l'humidité qui gagne du terrain. La couturière... Voilà, par contre, ce portrait-là, il est pas tout jeune non plus. Ah, tu vois, il y a de la saleté dessus. Coiffé en arrière. Les affranchis Robert De Niro. Ouais, la fenêtre, là, qui est ouverte, carrément. Oh là là. Ouais, avec le voisinage, ouais. Mais en tout cas, oh là 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 là, on voit que... Ça part en lambeaux, même le bois commence à être bouffé, les amis. On a checké le premier étage avec ses chambres. J'irai voir la dernière chambre un peu en bazar. Il y a peut-être des choses à vous montrer. Ouais, tu peux y aller maintenant, tu vas voir. Ah ouais ? Ouais. Ok. C'est un bordel. Ah ouais. Les amis, continuez à suivre cette vidéo et bien sûr, en fin de vidéo, ne manquez pas toutes les informations sur le lieu, sur ses anciens habitants, savoir ce qu'ils sont devenus et pourquoi cette maison reste comme ça, dans l'oubli, et que plus personne ne se rend sur les lieux pour l'entretenir. Donc, comme d'habitude, je vous ferai un retour, un résumé en fin de vidéo. Allez.
La tension est à son paroxysme. Que va nous réveiller ? C'est quoi ? C'est un deuxième étage ou des combles ? C'est le grenier, quoi. D'accord. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre une corde, là. De quoi ? Ouais. Mais les amis, non, il y a... Fais voir. Il n'y a pas eu un pendu, quand même, ici. Non. Ouais, déjà, vu la corde de pendu. Ouais, c'est des gamins, peut-être, qui ont dû s'amuser à faire ça, parce que... Ouais, ça tient un nœud de pendu qui est pas bon, je pense. Enfin bon, j'ai pas trop envie de me pendre, à vrai dire. Non, mais on peut pas du tout, même. Les différents nœuds, tu sais. Ouais, il y a les nœuds de marin, etc. quoi. Ouais, voilà. Bon, ben vous le voyez, on est. Ouais, on lève ça à la rigueur. Ou laisse-la, remarque, laisse-la, ouais, laisse-la. On s'en fout. Bon, ben là, vous le voyez, on est dans les combles. Hein. On est dans les combles et il y a tout un tas de bazar un peu partout. Voilà, il y a tout le passé des anciens propriétaires qui est entassé dans ce grenier. Hein. Alors par contre, là, tu vois, il y a un truc qui est incroyable, c'est ça. Tu vois ? Un cartable d'écolier. En cuir, ça je peux vous dire que ça a quelques décennies, hein. Tu vois, il y a toute la vaisselle de famille qui est là, les vieilles soupières et tout. Il bouge le parquet, là. Ouais, on le sent. Mais bon, c'est quoi, c'est du béton dessous, non? Ah bah non. Ah non, tu passes à travers, quoi. Ouais, mais ça a pas l'air humide, tu vois. Non, mais c'est normal, hein, ils travaillent. Ouais, tu vois les peluches d'enfants. C'est pas simple de filmer, là. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de bordel et tout ça, quoi, tu vois. Au moment même où nous avons découvert cet endroit, nous ignorons tout de lui. Mais nos recherches nous ont permis d'en savoir davantage sur son passé. Voici son histoire. Cette maison fut la demeure de Gaston et Odette, un couple aux noces de diamants, avec une vie bien remplie, selon les documents et diverses photos trouvées sur place. Gaston fit carrière comme artisan menuisier et Odette comme maîtresse d'école. Comme vous vous en doutez, ils sont tous les deux décédés. Odette partira la première en 2000 et Gaston en 2002. Nous supposons que pour Gaston, vivre seul sans Odette à ses côtés, après toutes ces années, était au-dessus de ses forces et que la tristesse et la solitude l'ont peu à peu rapproché de la mort. Concernant la succession, nous découvrirons que les enfants du couple seraient tous deux décédés avant leurs parents et que depuis tout ce temps, aucun héritier ne se serait positionné pour reprendre la demeure. Les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette exploration vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous mettez un petit like et bien évidemment, pour les personnes qui ne sont pas abonnez à la chaîne YouTube, et bien vous vous abonnez, un petit clic, c'est un quart de seconde, c'est totalement gratuit, ça nous soutient dans le référencement par rapport à YouTube, les amis. Donc pensez à vous abonner, il y a des gens qui regardent la vidéo des fois et qui pensent pas à s'abonner, donc merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne si vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des aventures d'Ed and Roca. Les amis, tout simplement, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles explorations. À très bientôt. Ciao.